Puis, ton livre, Choisir de ne pas être victime. Parce que, mettons qu'on revient à toi, c'est ce que tu as fait. Tu as choisi de ne pas être victime. Puis, quand on parle victime, là, on parle de suicide. Mais en lisant, il y a tellement de types de victimes. Je me dis qu'à quelque part, à peu près tout le monde, à un moment donné dans leur vie, se retrouve en position de victime, que ce soit victime au niveau d'un incendie, que ce soit d'abus, que ce soit en affaires, que ce soit la santé, que ce... Tout le monde peut être victime, mais ce qu'on décide d'en faire de cet état-là, c'est là que ça devient intéressant. Puis j'aimerais ça aussi que tu parles-nous des différents types de victimes que tu élabores dans ton livre. Puis l'image du début, elle est extraordinaire avec la montagne, avec le quand tu regardes la terre vidéo, puis avec la charrette que tu traînes tout au long de ta vie. C'est un beau flash que tu as eu pour bien imaginer ça, là. C'est l'inconscient, la maudite charrette que tu traînes toute ta vie quand tu arrives sur la planète. Les milliards d'expériences où chacun qui était avec nous aujourd'hui est rendu, c'est des milliards d'expériences quotidiennes que tu emmagasines. Ça peut pas rester dans ta conscience, ça cale dans ton inconscient, mais ça réagit, ça bouillonne en dedans. C'est pour ça l'idée de la charrette. Puis les victimes, quand j'ai commencé le livre, donc quand j'ai fini le livre, puis qu'il y a eu les réviseurs qui sont rentrés là-dessus parce qu'ils font des corrections d'erreurs, puis de français, puis tout ça. Comment ça, être victime? Ça se peut pas. La personne refusait l'idée de victime. Puis là, je me suis dit, regarde ça. Là, je suis justifiée de publier. Parce que même pour moi, qui n'avais pas accepté l'idée de victime, j'étais battante. Mais je voulais pas l'idée de victime. Mais j'ai été victime. Tu as été victime. On est victime, comme tu dis, d'injustice. Il y a des gens qui s'acharnent sur toi. Je rentre dans les rôles qu'on nous assigne sur cette planète. Tu sais, tu vas être victime, c'est inévitable. Une grippe, une grosse grippe qui vire mal. Bravo, t'es victime de la vie. Pas quelqu'un, par exemple. C'est ça que je décortique, puis j'y vais à fond. Puis même quand je relis des passages, je me dis, vitement arrivé à la moitié du livre pour qu'on reparte vers l'espoir. Oui. Je pense qu'il faut aller dans la reconnaissance qu'on a été victime. T'as été tassé. Je sais pas, je pourrais en ressortir parce que j'avais fait une liste exhaustive et ça émanait de l'émission. Hein? Les gens, ils n'étaient pas victimes. Ben non! Puis là, tout à coup, tu sais, avec Pierre, parlait. Puis, ah ben oui, regardons ça. Puis ça a des séquelles sur ma vie. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, c'est parfait. Puis c'est spécial parce que c'est rare que je parle du suicide de ma mère. Tu sais, c'est... Parce que là, ça fait deux fois qu'on se voit, ça fait deux fois qu'on aborde le suicide. Puis je pense, moi, ça me donne des déchirures de poule. Je me rappelle dès le départ, là, je me disais, je ne veux pas être identifiée par le suicide de ma mère. Je ne veux pas porter l'étiquette que je suis une victime, que je fais donc pitié, que c'est donc bien. Ouais. Fait que on réagit toutes de façon différente. Il faut le vivre, le deuil, il faut l'accepter. Puis comme j'avais dit au début, moi, je disais, il faut que j'apprenne à pardonner à ma mère. Puis Pierre qui m'avait dit, hey, ça t'appartient pas pantoute, c'est pas contre toi qui a fait ça. C'était pas à rien à y pardonner. J'ai cheminé à travers ça. Oui. Mais c'est ça. Puis dans le livre, on va parler avec Alexis tantôt, qui est entré en studio. Mais dans le livre, moi, ce que j'aimais aussi, c'est que tu fais la différence. Tu sais, il y a la victime, il y a le bourreau et il y a également le sauveur. Oui. Mais tout dépend. Puis le bourreau peut avoir été victime. Oui, ces rôles-là. Perspective là. T'as compris, écoute quelque chose. C'est tellement ça. On a plusieurs rôles comme humain. On joue plusieurs rôles. C'est un grand théâtre. Je fais le parallèle avec un grand théâtre. Ce qu'on fait ce matin, c'est on a des rôles à jouer. Et tu parles du bourreau qui a fait des victimes. La victime qui a grandi puis qui elle devient bourreau. Elle a eu cet exemple-là. Et là, c'est une roue sans fin. C'est pour ça que la prise de conscience, puis tout ce que Pierre a fait comme travail public, de prendre conscience du rôle. Tu peux être un sauveur, mais tu peux nuire à quelqu'un. Parce que t'es un sauveur. Tu le prends, là. Ah, puis là, écoute, tu respires pour lui, pour elle. Comprends? T'es un sauveur, mais t'es un mauvais sauveur. Tu t'es donné le mauvais rôle. T'es un sauveur temporaire. Tu redonnes des ailes à l'autre. Alors oui, là, tu es un sauveur ponctuel. Là, tu aides quelqu'un, vraiment. Puis,
Puis je veux dire quelque chose. Tu as décroché du rôle de victime, tu n'as pas voulu l'endosser. Et c'est parfait. Mais tu en as été consciente. Tu es consciente que tu es une victime d'une situation dramatique qui va te faire mal jusqu'à la fin de ta vie. Oui. Mais c'est là, mais tu n'endoses pas. Donc, tu n'endoses pas l'état de victime. Tu es victime, mais tu n'endoses pas l'état de victime. Si on fait la boucle, là, tu sais, quand j'ai dit que j'ai pris du poids, là, moi, j'ai compris que je me suis punie. Je me suis sabotée. Je me suis punie. Tu sais, par culpabilité ou par... tu sais, je me suis comme laissée râler. C'est pas logique. C'est pas en prenant du poids que ça allait ramener ma mère ou que ça allait effacer le fait que c'était suicidé. Je me suis juste fait plus de mal à moi-même encore. Tu sais, c'est... Mais là, maintenant, avec le cheminement, avec la réflexion puis tout ça, ben ça a fait en sorte que je me suis lancée dans un nouveau mode de vie puis que j'ai pris ma santé en main. Mais je me suis punie. Tu sais, Puis tu vois, t'es punie de quoi? De ne pas avoir vu venir. Oui, exact. Ça, alors que je parlais tous les jours. Tu sais? Fait que c'est... ouais. Tu as pris le biais de ne pas vivre dans l'état de victime, tu as continué de travailler, puis regarde, on te regarde, puis on ne voit pas, là, on ne verrait même pas. Mais c'est le biais, je suis victime, je le reconnais, je fais quelque chose avec ça, je ne vis pas dans l'état continuellement de victime, c'est pas vrai. Puis, après le suicide, puis je vais finir là-dessus parce qu'il faut qu'on passe au monde. Hein? Il faut qu'on passe au monde. On a tout notre temps, je suis encore dans le cadre radio, tu sais. Après le suicide d'Alain, mon conjoint, il y avait une psychologue qui l'avait suivi. Évidemment, je suis allée la voir pour comprendre, pour essayer de saisir l'ampleur de tout ça. Puis, je rencontre 2-3 fois, puis c'était compliqué parce que je n'avais pas de voiture, puis il y avait les petits. Puis elle me dit, qu'est-ce que tu veux faire à partir de maintenant? Tu me dis, tu as l'air déprimée. Elle m'a dit ça. Elle m'a aiguillonnée, tu peux même pas imaginer, je me suis levée, j'ai mis les deux mains sur le dossier. Puis là, j'ai continué d'expliquer mon plan. Peut-être que je suis déprimée, j'ai des maudites bonnes raisons de l'être. Alors, je l'accepte. Puis je lui dis, je veux faire de la radio, je veux aller dans la communication. Moi, je suis faite pour ça. J'aime ça parler avec du monde, j'ai besoin d'avoir le point de vue des autres. Puis elle me dit, comme ça, comment tu vas faire ça? J'avais deux bébés au couche, hein? Le matin, les garderies, les ci, les ça. Ouais. C'est pas élégant ce que je vais te dire, mais j'ai fermé ma gueule. Et j'étais toujours debout avec les deux mains sur le dossier de la chaise. Et je me suis dit en moi-même, toi, c'est la dernière fois que je viens te voir. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je l'ai fait comme je pouvais. Et c'est toutes ces stratégies-là dont je parle dans le livre. Oui, oui. Je suis obligée de m'aider moi-même. Je vais être mon propre thérapeute, ma chérie, parce que tu ne me fais pas de bien. C'est-tu clair? C'était effrayant de dire ça. C'est ça. Fait que c'est ça le livre. Puis tout ce cheminement. Puis là t'encaisses parce que tu roules, puis tu travailles comme une malade. Je te vois aller, puis c'est exactement, tu travailles beaucoup. Ça compense et c'est parfait. Puis au travail, on n'a pas besoin de savoir ça. Tu roules et ça te fait du bien. Ça, c'est une première stratégie. L'action. Exact. Sûrement qu'il le disait aussi, là, mais quand les gens appelaient, puis à un moment donné, qu'ils cherchaient des bébites, ce qu'il n'y en avait pas, là, ils disaient toujours, vous ne travaillez pas assez. Vous n'êtes pas assez occupé. Occupez-vous. Il avait raison. C'est ça, là. Mais il avait raison. L'action. Puis un autre point où Pierre Mailloux avait raison. Des gens qui sont très éclopés par la vie. OK? Qui sont dans des périodes très basses d'énergie, puis tout ça. Il leur disait, puis il a sûrement dit dans votre émission, José, fais-toi plaisir. Fais des choses que t'aimes. Tu peux, fais des choses que t'aimes. Exact. C'est pas plus thérapeutique. Et c'est basique. Pourquoi on pense pas à ça? Tu vas aller faire des grandes thérapies qui en finissent plus. Fais-toi plaisir. T'es fatigué? Sais-tu quoi? Va te coucher. Seigneur, mais je le dis dans le livre, va te coucher, dors. Le sommeil, ça va te réparer. Tu vas être un cran un peu mieux que la veille. Oui.